Thank you, Lord. La 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 la. Jérémy Molé Chorey, où Jérémy va doudé. Pour ami mal de ivre, sur ami moré vaut d'el mera. Isaro, Isaro, pour ami moura y fin mélo. Bonjour ami malikum sel feloi. Bonjour ami monra ifil melo. Zabur mera zaro. Jérémy fil bel gay zarazen. Surami maliki fil merazo. Et Jérôme. Jéravo. Barasara mi varo. Merci Jésus pour ta fidélité. Barasara mi mon rai felo idelo. Sur mi mon rai fel gezari asperam. Spiravo bazala gei varam. Bazala e fili minu gali e malu. Sufre mi vele ilo. Kasara mi varam. Bienvenue ce matin, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Connectons-nous massivement, massivement. Partageons cette vidéo, s'il vous plaît. C'est un direct très, très spécial ce matin, très dangereux. Très, très dangereux. Nous allons parler des choses très utiles pour notre foi, pour notre vie, pour notre relation personnelle avec Jésus. Donc, c'est grave ce matin. Il faut partager la vidéo aussi. Si vous avez quelqu'un que vous aimez, qui compte pour vous, quelqu'un qui compte pour vous, devant Dieu et devant les hommes, partagez-lui cette vidéo. Partagez-lui ça, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Vous êtes dans un groupe ou dans 1000 groupes. Prenez le temps. Partagez la vidéo dans tous les 1000 groupes. Afin que cela serve de témoignage à cette génération. Et chacun prépare sa Bible. Nous allons parler des choses très, très sérieuse aujourd'hui, des choses très sérieuses. Donc, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Et si vous êtes là pour la première fois, vous n'êtes pas encore abonné à notre page, de grandes choses se passent sur cette page. Donc, abonnez-vous, prenez le temps, je vous laisse le temps.
Abonnez-vous, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Et lancez-nous, envoyez des cœurs, envoyez des pouces bleus pour faire avancer la page. Donc, tu t'abonnes, tu pousses quelques pouces bleus rapidement, là, quelques cœurs rapidement. Les cœurs devraient monter de façon incessante pour juste faire la promotion de notre page. Et bienvenue pour tous ceux qui sont là pour la première fois dans notre Rema Facebook Church. Donc, c'est la Rema Facebook Church. Et que Dieu te bénisse. Assois-toi bien et prépare-toi. Prends ta Bible. Nous allons entrer dans la profondeur des mystères du christianisme. Et puis, partageons la vidéo, s'il vous plaît. I beg, please. If you are here for your first time, just share our video. Just share this live and let the Lord bless you. Yes, as you are obeying, you are blessed by our God, because we will talk about mysteries of the kingdom of Christ. Yes, we'll visit some mysteries concerning ministry. May the Lord bless you as you are doing it in Jesus' name. Donc, s'il vous plaît, massivement connectons-nous. Nous attendons nos frères et nos sœurs, les retardataires. Nous les attendons. Et entre-temps, partage la vidéo, abonne-toi. Prends ton temps, abonne-toi à notre page. Partage la vidéo au maximum. Appelle les gens à venir. Dis-leur, il y a quelque chose de spécial qui est en train de se préparer. Quelque chose de terrible qui va se passer tout à l'heure. Et je ne veux pas que vous entendiez parler de ça par les autres. Et je veux que vous-même, vous soyez présents. Parce qu'on va percer l'abcès tout à l'heure. L'abcès doit être percé. Vous savez que lorsque l'abcès n'est pas percé, on a des douleurs atroces. Alors, nous allons prier. Disons merci à Dieu pour cette journée. Disons-lui merci pour l'être, la vie, le mouvement. Seigneur, gloire à toi parce que tu es bien. Tu es notre Dieu, tu es notre Père. Merci pour cette journée nouvelle que tu nous accordes. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, nous demandons que tu prennes contrôle dans tout ce que nous aurons à faire et à dire. Seigneur, en cette journée, conduis nos pas. Éloigne nos pas du chemin, du péché et du mal, afin que nous soyons consacrés à toi et que nous luttions pour la cause de ton royaume. Béni soit ton nom pour l'éternité. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons demander à Dieu quelque chose de spécial. Seigneur, que mon nom soit écrit dans le livre de la vie éternelle. Et après ma mort, je veux habiter avec toi dans les tabernacles éternels. Oh, prions le Seigneur. Demande au Seigneur le salut. Seigneur, que notre salut soit assuré devant toi. Bali taoudali maras. Seigneur, biasmena udeli filigas man chakres. Merci pour berata wa anna armeni. Wa inesmali tal falika anna udali tal kol. Buradias mani al barata. Seigneur, écris nos noms dans le livre de la vie éternelle. Oui, par la circoncision du cœur, que nos noms soient écrits dans le livre de la vie éternelle. Par le rachat, par le sang de Jésus, par le sacrifice de la rédemption, Seigneur Gouraza wa Anna Brezo, et après notre mort, que la couronne en or soit posée sur nos têtes et que nous habitions pour toujours avec toi dans les tabernacles éternels. Seigneur, accorde-nous la grâce de mener la vie qu'il faut pour mériter cette couronne au nom de Jésus. Éloigne-nous de tout ce qui n'est pas de toi, que toute plante qui n'a pas été plantée par ta main dans nos vies soit anathème, qu'elle soit arrachée, afin que seules tes plantes, Seigneur, nourrissent notre existence. Jusqu'au jour où nous retournerons à la Nouvelle Jérusalem. Seigneur, quelle est la plus grande récompense que nous te demandions, si ce n'est d'écrire nos noms dans le livre de la vie éternelle, afin que nous puissions aussi marcher sur les rues macadamisées en or pur, Seigneur, des rues de la Nouvelle Jérusalem. Béni soit ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Si tu as fait cette prière, c'est bien. Le Seigneur est ton partage. Que Dieu te bénisse. Seigneur, merci parce que tu es vivant, que ton nom soit loué, qu'il soit exalté. Que Dieu te bénisse encore. Nous allons commencer. Nous allons commencer. Que Dieu ouvre notre entendement pour comprendre sa volonté, pour comprendre sa parole. Et c'est notre prière. C'est ma prière pour toi ce matin. Donc, partage la vidéo, que tout le monde soit informé que ça a commencé. Ok. Maintenant, je veux parler. Je veux parler. Et il faut que je parle, parce que c'est important de parler. Vous savez, bien-aimés, nous sommes dans une génération qui manque de courage. Une génération qui manque de courage. Ça veut dire qu'il y a tellement de choses qui se passent dans la maison de Dieu, mais peu de personnes, parmi les serviteurs de Dieu, peuvent prendre le courage de venir, ou le risque, je veux dire le risque, d'affronter ces réalités spirituelles qui pourtant mildiouent
et gangrènent notre existence et pourrissent notre vie. Et nous font parfois chavirer comme un radeau emporté par les folles vagues. Donc, mais il faut qu'on parle de ces choses. Il faut bien quelqu'un qui commence. Il faut quelqu'un qui ouvre le bal pour que l'abcès soit percé. C'est compliqué de percer certains abcès, mais c'est important de les percer parce que c'est après cela que la guérison vient. C'est la condition sine qua non pour jouir de la guérison et d'une guérison propre, d'une guérison profonde et générale. Donc, je veux parler. Dimanche passé déjà, je bénis le Seigneur pour la visite de l'évêque Bayon, qui a été au milieu de nous, avec toute sa famille. Pour nous, c'est un grand honneur de l'avoir reçu. Et je bénis le Seigneur pour mon fils Cédric, qui est en train de travailler dans un domaine pour lequel j'avais beaucoup parlé à Dieu. Je me demandais pourquoi on n'a pas des humoristes chrétiens, pourquoi nous aussi on ne peut pas organiser ça veut dire qu'il y a des soirées humoristiques, tout simplement où tu vas avec ta famille, vous asseyez, il y a un bien-aimé qui vous fait rire bibliquement et puis vous passez toute la soirée et vous rentrez. Pourquoi on ne peut pas faire ça comme les autres font? On peut aussi le faire. On a des talents dans l'église, il faut encourager ce genre d'initiative. Donc voilà. Alors lorsque l'évêque Bayon était en train d'intervenir dimanche à Réma, il a dit quelque chose qui est le reflet de la réalité de l'église de Dieu aujourd'hui. Il a dit quelque chose, il a dit que nous-mêmes, nous t'avons combattu. Et il nous a rappelé ce que l'apôtre Abraham Mendogo avait dit lors du deuil, la veillée du docteur Tchalesomba, confessant publiquement qu'ils avaient combattu, eux, les pères, le docteur Tchalesomba, lorsqu'il est arrivé avec le vent qu'il avait avec lui, lorsqu'il est arrivé avec l'onction et les mystères qui accompagnaient son ministère. Alors l'apôtre Abraham Mendogo a dit ouvertement qu'ils l'ont combattu. Ils l'ont combattu, ils n'étaient pas d'accord avec lui. Et ils ont interdit à leurs brebis dans leurs églises de ne jamais entrer en contact avec le docteur Tchalesomba, que c'était un sataniste, que c'était quelqu'un qui ne faisait pas la volonté de Dieu, il n'était pas dans le plan de Dieu, en fait que ce n'était pas un vrai serviteur de Dieu, c'était un sorcier. Donc il a dit ouvertement, et je bénis Dieu pour cette humilité et surtout pour cette ouverture de cœur, qui est une confession en même temps qui rappelle la réalité, qui est une confirmation flagrante de la réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui dans l'église de Dieu. Ça veut dire que lorsque quelqu'un vit avec certaines opérations de l'esprit, ce sont les pères même de l'église au Cameroun qui se soulèvent contre la personne pour commencer à monter les brebis contre la personne ou prêcher sur les pupitres dans les églises contre la personne. Donc c'est une réalité. Et lorsque l'évêque Bayon est arrivé à Réma, lui aussi, il a reconnu la même chose. Et il a même évoqué le souvenir de la déclaration de l'apôtre Abraham Mendogo, puisque lui-même aussi était à la veillée certainement du docteur Tchalesomba. Donc, il a expliqué, il a dit publiquement, il m'a dit, mon fils, nous t'avons combattu. Nous t'avons combattu. Ça veut dire que nous n'avons pas cru en toi. Nous avons pensé à un certain moment que tu es un sorcier. C'est ça la réalité. Nous avons cru qu'en fait, ce n'était pas par la puissance de Dieu que tu travaillais. Donc, nous t'avons combattu. Donc, et là, c'est important. Lorsqu'un père dit des choses comme celle-là, ça montre qu'il a pris conscience, il a compris que non, attention, comme nous venons avec une dispensation, les enfants peuvent aussi venir avec des dispensations incompréhensibles et inaccessibles. Donc, le plus important n'est pas ce qui s'est passé, ou bien le conflit générationnel qui s'est passé entre ses pères et nous, mais c'est qu'ils reconnaissent enfin qu'ils nous ont combattus, qu'ils reconnaissent qu'ils ont commis une erreur et que maintenant, il faut plutôt encadrer les enfants parce que les enfants sont venus avec une nouvelle dispensation qui est différente de celle des parents. Donc, je veux déjà dire merci pour cette humilité, pour cette sincérité qui est importantissime. Donc, moi, je pense que c'est un peu ça que les pères de l'Église au Cameroun devraient comprendre et dans d'autres nations et surtout en Afrique. Et même en Europe, je ne sais pas comment ça se passe. Mais nos pères devraient comprendre. Lorsque Dieu se révèle à Moïse, il lui dit quelque chose. Il dit à Moïse que « Je suis l'Éternel. Vos pères ne m'ont pas connu sous ce nom. » Ça veut dire beaucoup de choses. Il dit « Vos pères ne m'ont pas connu sous ce nom. » Ça veut dire que si Abraham venait et puis Moïse arrivait et Moïse lui disait que « Je suis » m'a envoyé, Abraham lui demanderait que « Je suis » c'est encore qui ? Lui, Dieu ne s'était jamais révélé à lui par le nom « Je suis ». Non, il ne connaissait pas ça.
Donc, Abraham pouvait dire à Moïse que non, mon fils, vraiment, tu n'es pas dans le droit chemin. Tu t'es trompé, tu es en train, c'est la sorcellerie. Tu n'es pas vrai, tu n'es pas authentique. Pourquoi? Parce que moi, Dieu ne m'a jamais dit qu'il s'appelle Je suis. Non, c'est pas, Dieu se révèle au père avec le pain de leur génération. Et Dieu se révèle au fils avec le pain de leur génération. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Donc, si nous arrivons à cette compréhension, si nos pères au Cameroun comprennent ça, nous irons très loin. Parce que le vrai problème, c'est compliqué lorsque vos propres pères, les pères de la nation, eux-mêmes combattent leurs fils. C'est dangereux. C'est dangereux lorsque les pères eux-mêmes ne comprennent pas la dispensation des fils. Et parfois, nous sommes l'exaucement de leurs prières. C'est ça qu'il faut dire au père de l'église du Cameroun. Vous avez prié, Seigneur, suscite une génération. Or, chaque génération se lève avec des mystères. Or, les mystères, vous le savez, les mystères, on ne les comprend pas. À moins que Dieu ne t'ait donné les clés. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Donc, si tu n'as pas les clés d'un mystère, tu ne peux pas accéder à ce mystère. Tu ne peux pas. Et les mystères demandent les clés. Les mystères fonctionnent avec les clés. Donc, lorsque les pères d'une génération n'ont pas les clés du mystère de leur fils, ils ne comprendront pas ce que le fils porte. C'est pour cela que beaucoup d'anciens dans l'église au Cameroun prêchent contre nous, contre la jeune génération dans leurs églises, disant que nous sommes sorciers. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous ma sorcellerie. Je vous partagerai ma sorcellerie parce que c'est important que vous le compreniez. Je veux partager. Beaucoup d'anciens de l'église au Cameroun, et je pense dans d'autres nations aussi, ne comprennent pas la nouvelle dispensation. Et n'oubliez jamais ce que je viens de dire. À chaque dispensation, son mystère. Chaque dispensation est accompagnée de son mystère. Et pour accéder à ce mystère, il faut la clé de la dispensation qui te donne accès au mystère de cette dispensation. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et il dit encore, je mettrai sur son épaule, dans, je pense que c'est Ésaïe 22, verset 22. Je mettrai sur son épaule les clés de la maison de David. Il ouvrira, personne ne fermera. Il fermera, personne n'ouvrira. Donc, ça veut dire quoi? Si vous n'avez donc pas ces clés, vous ne pouvez pas accéder. Mais Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai, je dînerai avec lui. Mais si quelqu'un entend et n'ouvre pas, Jésus ne peut pas entrer parce qu'il n'a pas les clés. C'est celui qui a l'intérieur qui a les clés. Donc, s'il n'ouvre pas, Jésus ne peut pas entrer. Donc, c'est la même chose. Tant que vous n'avez pas les clés des mystères d'une génération, c'est normal que vous confondiez les mystères de Dieu à la sorcellerie. Déjà aussi que la sorcellerie n'est pas aussi forte que ça par rapport aux choses que nous faisons. Donc, c'est pour ça que vous trouverez dans notre pays, moi, on a vécu beaucoup de choses semblables. Il y a des hommes de Dieu dans leurs églises qui enseignent que je suis un sorcier. Ou bien que d'autres, mes frères, qui font des exploits, sont des sorciers. Mais lorsque je n'avais pas encore un nom, lorsque la gloire de Dieu n'avait pas encore explosé dans ma vie, lorsque les promesses de Dieu n'étaient pas encore accomplies, j'étais un vrai, j'étais dans la vérité. J'étais dans la justice et dans la droiture. Et vous savez, je vais lire un texte tout à l'heure. Il y a beaucoup de personnes qui ont suivi nos directs, mes directs personnellement, et qui ont dit non, si vous êtes vrai, vous n'avez pas à vous justifier. Mais celui qui est dans la vérité ne se justifie pas parce que Jésus ne se justifiait pas. Et je pense que non, vous ne comprenez pas la Bible. Déjà, premièrement, je ne me justifie pas. Je n'ai pas le temps de me justifier. Mais il faut comprendre que je suis un enseignant de la Bible. Je suis un pédagogue. Et en tant que pédagogue, je dois enseigner lorsque je me rends compte qu'il y a une erreur qui est en train de devenir une vérité. Lorsqu'il y a un mensonge qui veut devenir vérité, ma responsabilité, c'est de faire une émission spéciale pour enseigner les gens sur ce que la Bible pense. Maintenant, si quelqu'un d'un autre avis, Christ l'éclairera, c'est ce que la Bible dit. Donc, Jésus se justifiait. On va lire un passage. L'apôtre Paul a passé toute sa vie à se justifier. Laissez-moi vous lire d'abord une petite chamaillerie, une querelle entre Jésus et les Juifs. Et on va revenir maintenant dans le vif du sujet. On va revenir sur ma sorcellerie à moi. On va d'abord lire ce que Jésus a vécu. On va lire une séance de querelle entre lui et les Juifs qui l'accusaient de sorcellerie dans Matthieu 12, à partir du verset 24. Je vais lire dans le texte grec et je vais traduire en français. Oi de pharisaï oi akousantes eipon. Lorsque les pharisiens l'écoutèrent, ils dirent
Hutos uk ekbalei ta daimonia. Eime ento Belzeboul arconti ton daimonion. Tu ne chasses les démons que par Belzeboul, le roi de démons, arconton archaïs, le roi des démons, le plus vieux des démons ou le premier des démons. Eidos detas entume seis auton. Et ayant connu leurs pensées, Eipen autois, il leur dit, passa basilegia, meristeisa, kat eautes, et meremutai, tout royaume divisé par lui-même sera mené à la désolation. Et meremutai, eremutai, sera mené à la désolation. Kai passa polis, he oikia, meristeisa, kat eautes, ou statesetai, et toute ville ou toute maison divisée contre elle-même ne peut pas tenir debout, ne peut subsister. Verset 26. Kai eiho satanas, ton satanan ekbalei. Si donc Satan chasse Satan, ou si donc Satan expulse Satan, ef ea outon emeriste, alors il est divisé contre lui-même. Pos un satesetai he basilea aoutou. Comment est-ce que son royaume subsistera-t-il? Verset 27. Kai ei ego, en Belzeboul, ekbalo, ta daimonia. Et si moi, c'est par Belzeboul que j'expulse ou je chasse les démons. Oi, oui, oi, humon, en tini, ekbalusin, et vos fils, par qui les chassent-ils? Dia tuto, c'est aussi pour cela. Autoi, kritai, et son taille humaine. C'est aussi pour cela qu'eux-mêmes seront vos juges. Verset 28. Eide en pneumati teu ego ekbalo ta daimonia. Et si c'est par l'esprit de Dieu que moi je chasse les démons. Ara eftasen ef umas he basilehia tuteu. Alors le royaume de Dieu est au milieu de vous. Merci Jésus pour ta parole. Ouvre-nous l'esprit. Donc, le Seigneur Jésus ne se laisse pas faire. Les Juifs disent que non, les miracles qu'il opère là, c'est par les démons. On a dit ça de Jésus, le Père de l'Église. On a dit ça, le fondateur de l'Église. Il dit, entaute, otisou eis petros, entaute te petra, oikodomeso muten ecclesia. Kai poulai adu, ou katiskousou sin aoutes. Et moi, j'ai dit que tu es Pierre et que je suis ce roc. Je bâtirai mon église, mouten ecclesia, mon église à moi. Et que les portes de l'enfer ne remporteront jamais aucune victoire contre mon église. Donc c'est Jésus, le fondateur de l'église. Les Juifs lui disent que tu chasses les démons là, c'est pas Belzeboul. Le prince des démons, il faut dire que quand on dit Belzeboul, c'est un mot sémite. Et surtout à l'époque des Cananéens, on l'appelait Baal-Zébub. Baal-Zébub. Baal-Zébub veut dire tout simplement le roi ou le dieu des mouches, ou alors le roi de ceux qui volent. Voilà pourquoi Belzeboul, dans la mythologie, était représenté par une grosse mouche. Ça veut dire le prince des mouches, ou le roi des mouches. Voilà ce que Baal-Zébub, ou Belzeboul, parce que Belzeboul, Belzeboul, ici là en français, là c'est du latin, c'est le tiré du latin, étymologiquement. Mais Belzeboul, ou Belzeboul, là c'est le grec. Voilà. Donc, il dit, bon, vous savez, les mouches, c'est la saleté, les mouches, c'est l'impureté, etc. Donc, Belzeboul, ça veut dire le diable lui-même. Voilà ce que ça veut dire, Belzeboul. Donc, les Juifs disent à Jésus que non, si tu chasses les démons là, tu chasses les démons, nous sommes convaincus que c'est par le prince des démons que tu chasses les démons. Et Jésus-Christ va donner un enseignement fondamental sur la stabilité d'un royaume, d'un empire ou d'une famille ou d'une maison. Et Jésus va expliquer que non, Satan ne peut pas chasser Satan. C'est pas possible. Au contraire, lorsqu'on chasse un démon quelque part, Jésus explique que ce démon va prendre le renfort parmi ses frères démons et il prend sept démons plus méchants, plus puissants que lui et ils sont huit maintenant pour posséder la personne et la deuxième condition de la personne est pire que la première. Donc les démons collaborent entre eux. Les démons ne peuvent pas lutter contre eux. Les Juifs ne connaissaient pas cette réalité. Et Jésus va leur prouver par A plus B qu'en fait, le diable ne peut pas chasser le diable. Il n'y a que l'esprit de Dieu pour chasser le diable. C'est le doigt de Dieu qui peut opérer des délivrances, des guérisons, des miracles. Et il dit donc, et si donc, c'est par l'esprit de Dieu que je fais ces choses, le royaume de Dieu au milieu de vous.
Le royaume de Dieu est au milieu d'eux. Mais les pharisiens, à cause de la jalousie, de la haine, non pas qu'ils voulaient que l'œuvre de Dieu avance. Leur vrai problème, c'était quoi? C'est que Jésus-Christ leur volait la vedette. C'était ça le problème des pharisiens. Leur synagogue se vidait. Les gens abandonnaient des synagogues luxueuses. Les gens abandonnaient des synagogues qui étaient jolies, enjolivées, enjolantes, belles et bellissimes, pour aller s'asseoir dans les gazons, dans la poussière, pour écouter Jésus-Christ par dizaines de milliers. Et ça, les juifs, les pharisiens, les scribes ne pouvaient pas supporter cela. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Le peuple n'est l'appartenance de personne. Aucun homme de Dieu ne peut dire que le peuple de Dieu est sa propriété privée. Non, le peuple de Dieu et les hommes de Dieu, nous tous, nous appartenons à Christ qui nous a fait. Donc un homme de Dieu ne peut se frapper la poitrine pour dire « Mes brebis, tu n'as aucune brebis. Je n'ai aucune brebis. » En réalité, ce sont les brebis du Seigneur Jésus. Lorsqu'on dit « Mes brebis, mes brebis, mes brebis », vraiment, c'est juste parce que Christ nous les a confiés. Mais en réalité, le bon berger, c'est Christ. L'Église appartient à Jésus et non pas à un homme. Et non pas à un apôtre. Non pas à un évêque ou un archevêque. Et non pas à un pasteur ou un prophète ou un évangéliste, etc. Non. Jésus a dit « Ego eimi he opohimen ho kalon ». Moi, je suis le bon berger. Donc, le berger de la bergerie, c'est Jésus. Ce n'est pas les apôtres. Dieu nous a mis comme des babysitters. Pour son peuple, nous sommes comme des gardiens. C'est pour ça qu'aucun homme de Dieu ne peut maudire une brebis parce qu'elle a quitté son église pour aller dans une autre église. Mais cependant, c'est ce que nous vivons. Il y a des hommes de Dieu qui menacent leur brebis tous les jours. Qu'Allah, Allah, ici, je te vois dans l'église de tel, je te maudis. C'est aussi pour ça que certaines brebis viennent dans nos milieux en se cachant. Elles se cachent pourquoi? Parce que leurs pères vont les maudire. Moi, j'ai eu l'habitude de dire une chose. L'église n'est pas une prison. Lorsque les gens viennent dans ton église, ce n'est pas toi qui allais les chercher dans leur maison. C'est Dieu qui les a amenés. Quelqu'un porte son pied, il vient librement et il ne peut pas partir librement. Comment? Ce n'est pas la prison. L'église, ce n'est pas un kondengi. Et ce désordre, aujourd'hui, s'est établi dans nos églises au point où certains pasteurs jouent le FBI derrière leurs brebis. On surveille les allées et les venues des brebis. Tu étais où? On guette, tel est parti où? Tu es, oh, j'ai vu tel... Non, ce n'est pas ça l'église. J'ai l'habitude de dire que la manière dont tu viens, je ne te connais pas là. Si tu veux partir, pars, je ne te connais pas. Ce n'est pas ma maison, c'est la maison de Dieu. Ce n'est pas une prison. Et je ne viendrai jamais sur mon pupitre pour expliquer à l'église que n'allez pas dans telle église, c'est les sorciers. N'allez pas dans tel homme, c'est tel homme de Dieu, c'est un sorcier. Non, j'enseigne la parole. Et si la parole est dans le cœur d'un homme ou d'une femme, elle aura le discernement par elle-même, par l'Esprit de Christ. Je prie et je me bats pour que les gens entrent en communion avec l'Esprit de Jésus. Parce que l'Esprit de Jésus en toi te donnera de discerner la voix de Jésus. Une brebis qui a Jésus ne peut pas s'égarer. Elle n'a pas besoin de moi. Je ne peux pas remplacer la conscience de mes fidèles par ma conscience. Je ne peux pas dire à mes fidèles, laissez-moi penser à votre place. Tel-là est mauvais, tel-là n'est pas bon. Non, vous-même, vous devez avoir le discernement. C'est ce que Jésus dit. Mes brebis entendent ma voix, elles me suivent. Elles ne suivront point un étranger parce qu'elles ne reconnaissent pas sa voix, mais elles fuiront loin de lui. Donc, quiconque a Jésus en lui n'a pas besoin qu'un homme de Dieu lui dise que tel est faux ou tel est vrai. Si tu n'arrives pas à discerner le vrai du faux, c'est parce que toi-même, tu n'es pas vrai. Mais ceux qui ont Jésus, quand tu vois quelqu'un qui a Jésus, tu sais que ça, il a Jésus. Quand tu vois quelqu'un qui n'a pas Jésus, tu sais qu'il n'a pas Jésus parce que tu n'entends pas la voix de ton maître à travers cette personne. On ne peut pas venir dire aux gens que non, tel est faux, tel est... On n'a pas besoin de ça, l'église n'a pas besoin de ça. Les brebis du Seigneur ne peuvent pas être séduites. Elles reconnaissent la voix de leur maître et elles suivent leur maître. Elles ne suivront jamais un mercenaire. C'est aussi pour ça que parfois dans vos églises, dans certaines églises, tellement vous médisez des hommes de Dieu, vous insultez les hommes de Dieu, vous parlez mal d'une certaine catégorie d'hommes de Dieu, que vos brebis se disent, ok, je vais quand même aller découvrir la personne là par moi-même. Et finalement, elles viennent, elles travaillent dans nos protocoles, elles viennent, elles sont engagées dans l'église, elles sont encore plus engagées, plus zélées même que ceux qui étaient là depuis longtemps. Pourquoi? Parce qu'elles sont venues chez le sorcier dont on leur a parlé, elles ont plutôt découvert la vérité. Elles ont découvert la quintessence de la parole. Elles ont découvert la perspicacité de l'évangile. Elles ont compris que c'était même ici qu'il fallait que je fusse. C'est ça la réalité aujourd'hui. Donc le monde a changé. Le monde a évolué. Ce n'est plus l'époque où on effrayait les chrétiens en disant non, vraiment il n'y a qu'ici qu'il y a la vérité. Ailleurs là, n'allez pas dehors, il y a les djoundjou dehors, il y a les monstres dehors. Tous ceux que vous voyez rassembler les gens là sont faux. Jésus ne rassemblait pas les gens.
Tout cela sont faux. Jésus ne rassemblait pas les gens. Non, le ministère, ce n'est pas le miracle. Vous aimez suivre le miracle. Les gens suivaient quoi dans le ministère de Jésus? Ce n'est pas ça l'évangile, ce n'était pas le miracle. Ce n'est pas parce que tu n'opères pas le miracle qu'il faut fustiger ceux à qui Dieu a donné la grâce. Vous êtes convaincus que les gens opèrent le miracle par sorcellerie. Il y a des hommes de Dieu qui sont convaincus. Moi, j'ai été choqué lorsqu'on faisait, on construisait la Bible. On a construit cette église pendant le Covid-19. Il y a un groupe d'hommes de Dieu qui est venu. On a causé, on parlait vraiment, ils sont venus. Papa, vraiment, on veut se connecter, homme de Dieu. Voici mon offrande de connexion à la grâce, etc. Mais vous savez ce qui se passe après? Il m'appelle dans un coin. Il demande à tous les enfants de s'éloigner. Quand on va dans le coin, il me demande, il me pose la question suivante. On a quelque chose à te demander. Et j'ai dit, allez-y. Et il me demande, que est-ce que vraiment c'est toujours le même ministère que nous faisons? Toi, tu es béni comme ça là. Dis-nous la vérité. Ton secret, c'est quoi? Il faut que tu nous dises. On est entre nous, les hommes de Dieu. N'aie pas peur. Ne t'effraie pas. Dis-nous. Ouvre-nous ton cœur. Qu'est-ce que tu fais pour rassembler autant de gens, pour avoir autant d'entrées financières? Qu'est-ce que tu fais? Dis-nous. Nous sommes convaincus qu'il y a quelque chose. Donc, ce qu'il me disait, c'est qu'il y a une écorce. Il y a certainement une écorce. Il y a une pratique que je fais pour que les gens viennent. Il y a une écorce que j'ai. Je marche ça certainement pour prophétiser. Il y a des hommes de Dieu qui m'ont assisté, abordé, pour me demander que prophète, vraiment, la manière dont tu prophétises, on voit là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose derrière. Dis-moi, le secret là, c'est quoi? Les gens sont convaincus que j'ai une huile spéciale, j'ai un parfum. Écoutez, bien-aimé, c'est pour ça que vous remarquerez que je ne mets pas les bijoux sur moi. Je ne mets pas les bijoux pour une simple raison. Pour que les gens ne disent pas que mon pouvoir, c'est là. En dehors de mon alliance, si, je n'ai plus rien d'autre. Je ne le fais pas. Je ne mets pas de groumettes en dehors de mes montres. Je ne mets pas de groumettes. Pourquoi? Parce que les gens peuvent s'appuyer sur ça pour dire non, c'est ça la source de sa puissance, etc. Non, bien-aimé, je ne mets pas ces choses. Ils étaient convaincus. Et je suis en train de vous expliquer qu'il y a des hommes de Dieu dans ces nations qui sont convaincus que je travaille, il y a une écorce ou bien il y a un gris-gris ou il y a un parfum secret que j'utilise. Il y a des gens qui sont convaincus. C'est-à-dire que pour eux, tu ne peux pas de manière naturelle, pas de voix pure, de voix droite, opérer dans une certaine dimension miraculeuse ou de prophétie ou bien rassembler des gens. Non, il faut que vous compreniez une chose aujourd'hui. Je vais vous donner le secret de ma sorcellerie. Pourquoi est-ce que les gens me suivent? Pourquoi est-ce que des milliers de personnes se rassemblent lorsque j'organise des programmes? Je vais vous donner le vrai secret aujourd'hui, la vraie sorcellerie. Sois attentif et je vais te donner le secret. Je ne donne pas ça en privé, je donne ça devant le monde entier. La raison c'est quoi? Jésus a dit ceci, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera à lui tous les hommes. C'est une réalité. Lorsque Jésus est élevé dans la vérité, dans ton cœur, c'est lui qui attire les hommes, là où il y a la vérité. La Bible dit ceci, Jésus dit, en quelques lieux où se trouvent les cadavres, là s'assembleront les vautours. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu dis la vérité, tous ceux qui appartiennent à Dieu aiment la vérité, ils te suivront. C'est ça la réalité. Je pense que l'une des raisons simples, c'est-à-dire qu'allons d'abord simplement, hormis que nous savons tous que c'est la grâce de Dieu, etc. L'une des raisons simples pour lesquelles les gens me suivent, et ça c'est ce que je pense, c'est la vérité. Prêcher la vérité. Mais si elle est contre moi, je prêche la vérité. Donc, je ne prêche pas pour faire plaisir à quelqu'un. Non, je prêche la vérité dans ma naïveté, dans ma sincérité, dans l'innocence de mon cœur. Je dis, c'est un contrat avec Dieu. Quand le Seigneur m'appelait, il m'a dit ceci. Il m'a dit, tu veux savoir pourquoi je t'appelle à mon service? Ouvre les yeux et regarde. Plusieurs s'engagent à me servir. Aujourd'hui, à cause de leur ventre, à cause de cela, ils retiennent la vérité quand ils ne la disent pas. Et beaucoup de mes brebis meurent dans le péché. Mais toi, tu craindras mon œil, tu m'assieras devant ma face. Et lorsque le temps sera accompli, tu te lèveras. Tu demanderas à plusieurs, où est votre Dieu? Donc, le Seigneur m'a donné la recommandation de dire tout ce qui me met à cœur, sans avoir peur de personne, sans faire acception de personne. Donc, quand Dieu me dit, dis, je dis. C'est ça la vérité. Quand Dieu me dit, parle, je parle. Maintenant, il faut que vous compreniez une chose. Le ministère, en réalité, n'est pas la sorcellerie. Non, bien-aimé. Le ministère, ce n'est pas la sorcellerie. Non, non, ce n'est pas la sorcellerie. C'est pour ça que beaucoup de jeunes hommes de Dieu sont allés prendre des écorces, aller faire des choses dangereuses. Comme je suivais le docteur Jenedo Kamdem expliquer dernièrement qu'il y a un jeune homme ici qui est parti prendre le gris-gris, oui, c'est au Ghana, c'est plus où. Et on l'a fait dormir dans un cimetière à soie là-bas. Finalement, il est mort. Il faut faire attention. Les gens sont convaincus. Non,
Laissez-moi vous parler sincèrement. Je veux vous parler avec sincérité. Vous voyez, bien aimé, j'étais en train de parler hier avec l'un de mes fils. Je l'avais affecté en Gaoundé à l'époque. Et comme sa famille souffrait, ses enfants, il a beaucoup d'enfants, sa femme, la maison et tout. Donc, les cris de sa famille l'ont empêché de servir le Seigneur. À un certain moment, il a démissionné de son poste et il est rentré sur Yaoundé. Et quand il est revenu, je ne lui ai parlé ni en bien, ni en mal. J'ai simplement dit, tu es rentré fils. Ok, d'accord. Quand on se voit, ça va fils. Ça va papa. Bon, c'était comme ça. Pendant 2 ans, je ne l'ai affecté nulle part. Il était supplié, il était à l'église. Donc hier, il est venu me voir et il s'est mis à genoux. Les larmes aux yeux. Il me dit, papa, quand j'ai quitté l'église de Ngaoundéré, j'ai abandonné l'église pour revenir nourrir ma famille. Je voulais travailler moi-même pour nourrir ma famille. J'ai acheté un bus, le moteur a coulé, mon taxi envolé. Aujourd'hui, je n'arrive même plus à payer la maison. Ma vie est complètement détruite et je demande pardon. Je lui ai dit qu'il faut écouter une chose, bien-aimé. J'ai dit, mon fils, le ministère, si vous pensez, vous prenez toi à la légère. Tu ne peux pas en même temps chercher à servir Dieu tout en voulant plaire à ta femme ou bien à ta famille ou à ta maison ou à toi-même. Non. L'apôtre Paul dit qu'aucun soldat qui veut plaire à son maître ne peut chercher à plaire à son maître en s'embarrassant en même temps des choses de la vie. Je lui ai dit, quelqu'un a dit à Jésus, maître, je veux te servir. Mais mon père est mort, je vais d'abord aller enterrer mon père, je viens. Jésus lui a dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, viens, suis-moi, laisse ta famille là-bas, viens me suivre. Je lui ai dit, tu dois savoir une chose, dans le ministère, quand Dieu t'appelle, Dieu va t'éprouver durement. Je lui ai dit, est-ce que tu as déjà réfléchi pourquoi une biche donne naissance à son petit et un lion vient immédiatement arracher le petit et dévorer le petit sous les yeux de la maman et sans que Dieu n'intervienne? Il m'a dit que non. J'ai dit, mais est-ce que ça ne semble pas être cruel? Est-ce que ce n'est pas cruel? Est-ce que ce n'est pas une forme de cruauté que Dieu voit une biche qui a porté son enfant pendant je sais combien de mois et puis elle donne naissance? Parfois le lion vient, il mange l'enfant, il mange la mère. Dieu n'intervient pas pour défendre la justice. Pourquoi? Je lui ai expliqué qu'il faut comprendre que lorsque Dieu t'appelle, il y a le chemin de la croix par lequel tu vas passer. Et là, beaucoup de gens ne veulent pas ça. Beaucoup dans cette génération ne veulent pas. Nos enfants de cette génération sont des enfants attachés au luxe et non à la souffrance, à la consécration. Or moi, ma sorcellerie a commencé dans la consécration. L'œuvre de Dieu, première chose, c'est la consécration. C'est d'abord la consécration et la sanctification. Quand on parle de consécration, il faut que les gens comprennent. La consécration, c'est la dédicace, ça veut dire être dédié à une cause. Être dédié à la cause de l'évangile. En sorte que ce soit bon ou mauvais, tu ne changes pas ta décision. Tu ne quittes pas ton poste. Tu n'abandonnes pas la guerre. Tu vas, même si ta femme meurt, même si je lui ai posé une question hier. Et ça, je pose la même question aujourd'hui. Mon épouse a souffert du cancer pendant 7 ans. Cancer de sein pendant 7 années. 7 ans de souffrance. 7 ans. Lorsque nous avons découvert en 2014, quand on découvre qu'elle a une tumeur, c'était déjà 3e degré, c'était phase finale. On s'est battu par la grâce de Dieu. Mais personne n'a jamais imaginé, qui pouvait imaginer que ma femme souffrait comme ça. Elle-même n'a jamais fait paraître ça. Jamais. Pourquoi je lui ai enseigné souvent que, maman, regarde, nous sommes des guerriers et des soldats dans le champ de bataille. Le peuple n'a pas besoin de nos faiblesses. Je lui ai dit, un bon général ne montre pas sa faiblesse devant ses troupes. Sinon, elles vont s'affaiblir. Elles vont se décourager. Et je lui ai dit, nous devons lutter pour défendre les couleurs de l'évangile au prix de nos propres vies. Et c'est pour cela que ma femme n'avait jamais fait paraître ses douleurs en public. Jamais. Qui pouvait imaginer que je traversais une période aussi compliquée de ma vie? Qui? Personne ne pouvait imaginer. C'est ça qu'on appelle la consécration. Je ne pouvais pas dire non à Dieu parce que ma femme était en train de mourir à petit feu sous mes yeux. Elle-même ne pouvait pas renoncer parce que son corps était en train de tomber en désuétude. Parce que son corps était en train de se détruire par la maladie. Elle n'a jamais laissé paraître sa faiblesse jusqu'au dernier moment de sa vie tant qu'elle pouvait marcher. Elle se présentait devant l'église et elle prêchait. Elle chantait. Mais quand nous sortions du culte, de la voiture, de l'église jusqu'à ma maison, elle pleurait à tue-tête. Elle criait dans la voiture les douleurs jusqu'à la maison. Mais personne ne pouvait imaginer ça. Je lui ai dit, c'est ça, bien-aimé.
Je voyageais, je montais, je descendais. J'allais combattre les combats de l'Éternel, comme le dit l'adage hébraïque, Naftule Elohim Niftalti. J'ai combattu les combats d'Elohim. Je le faisais. Pourquoi? C'est un engagement. Nous sommes en guerre. Je voyais mon épouse souffrir, mais j'étais en guerre. Elle aussi se battait. Dans sa guerre, me disait, mon mari, va. Ne t'arrête pas à cause de moi. Ne regarde pas derrière. Va. Je ne veux pas que l'Éternel se fasse contre toi à cause de ma situation. Va. Je te soutiens dans la prière. Malgré ses douleurs, elle était forte. Malgré ses douleurs, elle était courageuse. Je lui ai dit que aujourd'hui, ma propre fille, je suis rentré de Berthois hier. J'avais peut-être 3 ou 4 heures de temps à la maison pour que mon enfant n'oublie pas ma face. J'ai repris la voiture. Nous sommes quittés hier, je pense à 20 heures de Yaoundé pour venir sur Douala. Mais entre nous, bien-aimés, entre nous, je lui ai dit, tu penses que je n'aime pas ma famille? Mais vous ne comprenez pas, l'engagement si est sacré. Je lui ai dit, quand tu vas, Dieu te dit, va. Mais s'il y a quoi dans ta maison, va. Tu ne peux pas aller servir Dieu tout en regardant derrière. Non, tu ne peux pas. Tu ne plairas jamais à Dieu. Tu ne peux pas chercher à plaire à Dieu et plaire à ta femme en même temps. Non. Tu ne peux pas chercher à plaire à Dieu et plaire à tes enfants en même temps. Non. La cause que nous défendons doit être plus grande que ta propre vie et que celle de ta propre famille. C'est ça que les gens doivent comprendre. La famille ne vient pas avant Dieu. La famille vient après Dieu. Donc lorsque tu t'engages en tant que serviteur de Dieu ou enfant de Dieu à marcher avec Dieu, ça c'est notre vie, ça c'est ma sorcellerie, c'est ça ma consécration. La sanctification est fondamentale dans le ministère. C'est-à-dire que les gens doivent comprendre, lorsque Dieu, il y a des dimensions avec Dieu que tu ne peux pas atteindre si tu vis n'importe comment, si tu vis comme tout le monde, si tu fais comme tout le monde. Mais maintenant frère, toi tu vas en boîte de nuit, tu ne crains pas Dieu. Tu vas dans les boîtes de nuit. Moi, je ne vais pas dans les boîtes de nuit. Tu veux après que les gens ne me suivent pas comment? Tu veux que l'onction ne se manifeste pas comment? Puisque on n'a pas la même consécration. On n'a pas les mêmes prérogatives. On n'a pas le même champ de prédilection. On n'a pas les mêmes priorités. Pour moi, je ne peux pas mettre mes pieds dans une boîte de nuit. C'est haram. Mais toi, tu vas là-bas. Tu bois là-bas. Tu vas avec des prostituées. Tu fais ce que tu veux dans les hôtels. Et cette race, tu mènes joyeuse et brillante vie et tu es homme de Dieu et tu reviens. Comment peux-tu avoir le même résultat que celui qui ne fait pas ces choses? Le péché tue l'onction. Le péché, c'est l'antidote à l'onction. Qu'on vous dise ça aujourd'hui, vous devez comprendre une chose. L'une de mes grandes sorcelleries, c'est qu'il y a des milieux où je ne peux jamais entrer. Il y a des endroits où je ne peux pas mettre mes pieds. Que Dieu m'en préserve, que Dieu me garde. David a dit, Yahweh Rohi Lo Esar, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Que Dieu soit mon berger qui continue à me conduire. Et ça, je vais vous partager quelque chose hier. Je vous dis ma sorcellerie. Hein. Manoron, je vais te dire ma sorcellerie. Vous savez, bien-aimé, hier, il y a un homme de Dieu qui m'a invité. Je devrais aller chez cet homme de Dieu. Et je bénis Dieu. Seigneur, mon âme te loue, garde ma vie du mal. Seigneur, je suis faible, je ne suis rien. Mais sans toi, je ne peux pas. Il faut que tu m'aides. La guerre, c'est terrible. Donc, je devrais aller chez un homme de Dieu hier. Il m'a invité. Non, pas hier, il m'a invité. Donc, et lorsque quelqu'un m'invite, je dis toujours à Dieu, Seigneur, est-ce que je dois aller? Moi, je vois les faces. Toi, tu vois la profondeur. Alors, hier, je fais un rêve, un songe. Dans le songe, je suis dans l'église de cet homme de Dieu. Et je suis sur son hôtel, en train de prêcher. Lui, il est derrière l'hôtel. Et puis, immédiatement, je vois une jeune dame entrer dans l'église. Pendant que l'église était là, je prêchais, il y avait un long canapé derrière le pupitre. Un long canapé. Et cet homme de Dieu était assis. Et quand cette dame entre, elle va le retrouver dans le canapé. Et puis, les deux sont couchés. C'est-à-dire, ils s'embrassent, ils s'amourassent, ils se prélassent, s'entrelacent. Et puis, j'étais un peu troublé dans la vision. Je me demandais, mais attends, comment l'homme, si moi je le connais, il est marié, je vois... La femme, si ce n'est pas son épouse, et il s'enlace, se prélasse, s'enchevêtre. En fond, ce qu'ils sont en train de faire derrière moi est sur l'autel de Dieu. Et je ne comprenais pas dans la vision. Et alors, la parole de l'Éternel m'a été adressée dans la vision. Ferdinand, qu'est-ce que tu fais sur cet autel souillé? Sors. Immédiatement, dans la vision, je suis sorti en courant de l'église. Je suis parti. Et quand je me réveille, waouh, j'ai dit attention. Donc, si je partais là-bas, je serais en train d'aller dans un lieu d'abomination. C'est Dieu qui m'a préservé. C'est pour ça que j'ai dit qu'aucun homme ne peut être le berger d'un autre homme. Si tu sais vraiment Dieu, Dieu te gardera.
Dieu te préservera, Dieu te protégera. Donc, la première clé de ma sorcellerie, c'est la consécration. Il y a beaucoup de mes jeunes frères à qui je veux parler, que Dieu nous aide. Nous sommes en train de grandir. Je comprends que dans le ministère, il y a la jeunesse. Quand tu commences, c'est un peu compliqué pour toi. Après, Dieu commence à te bénir. Il y a l'argent, il y a l'honneur et tout ça. Il y a les belles femmes autour de toi, etc. Et tu te retrouves dans la dépravation et tu te retrouves en train de commettre des erreurs. Il y a beaucoup de mes petits frères que je vais appeler tout à l'heure pour parler avec eux en direct. Parce qu'il y a beaucoup de brebis qui les ont croisés dans des boîtes de nuit, d'autres déguisés. Donc je me demande comment tu as une personnalité publique, tu vas te retrouver dans une boîte de nuit. Vraiment, c'est quel genre de faiblesse comme ça? Que Dieu délivre la jeune génération au nom souverain de Jésus. Donc, la première chose, c'est la consécration, la sanctification. C'est important. Les gens doivent comprendre ça. Mais bien-aimés, serviteurs de Dieu, vous devez comprendre cela. Vous ne pouvez pas condamner quelqu'un. Vous dites, donc, c'est un sorcier. La sorcellerie, c'est quoi? On va revenir sur les opérations de l'esprit. On va revenir. Parce que si on te dit, ah, ok, d'accord, c'est un sorcier, montre-nous le tombeau où il va faire. Montre l'endroit où est passée la sorcellerie, tu ne pourras pas le faire. Donc, le ministère, ce n'est pas la sorcellerie. Le ministère, c'est la consécration. La consécration, c'est important. La consécration et la sanctification, c'est important. Il y a des dimensions spirituelles. Il y a des cours des prophètes. Il y a la cour des prophètes, la grande cour des prophètes. Tu ne peux pas entrer là-bas si tu n'as pas atteint un certain niveau de sanctification et de consécration avec Jésus. Tu ne peux pas être un homme de Dieu, mais tu fais tout ce que tu veux et tu vas avoir les résultats comme celui qui ne fait pas ce qu'il veut, mais qui fait ce que le maître veut. C'est ça la vérité. Donc il y a un prix que je paye, mes bien-aimés. Il y a un prix que je paye. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne vais pas dans le milieu où certains vont. En tout cas, je suis à ma place et je me bats à être à ma place. Je ne monte pas, je ne descends pas, je ne virevolte pas, je ne vadrouille pas. Je reste à ma place, j'essaye de comprendre Dieu, j'essaye de chercher Dieu tous les jours de ma vie. J'essaie de m'améliorer, de découvrir mes insuffisances, de les arranger, mes imperfections, de les perfectionner. Dans tous les cas, tu ne vas pas voir Ekané là-bas. Le prophète Ekané est monté là-bas. Il est descendu là-bas. On l'a vu dans tel bar. On l'a vu dans tel bois de nuit. Il était dans tel bistrot, dans tel posada. Ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Pourquoi, bien-aimé? Parce que déjà, je n'ai pas assez de temps. Et Dieu m'a imposé ça. Moi, l'enseignement que Jésus m'a donné. Plus tu montes, plus je suis exigeant envers toi. C'est ça la vérité. Et vous devez savoir une chose. Le niveau de sanctification d'aujourd'hui peut être péché demain. Je répète. Le niveau de sanctification d'aujourd'hui peut être un péché demain. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous expliquer. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que vous pouvez aujourd'hui être un nouveau converti. Je donne un exemple. Et puis tu bois. Ça veut dire que tu bois. Tu es un homme de Dieu, tu bois, tu es ivre, etc. Et puis Dieu opère avec toi dans une certaine dimension. Il y a un plafond à cause du genre de vie que tu mènes. Le genre de vie que tu mènes te donne accès aux dimensions spirituelles. Donc chaque dimension spirituelle est proportionnelle au genre de vie, à ton niveau de consécration. Tu ne peux pas manifester plus de gloire, plus de puissance que ton niveau de consécration à Dieu. Non, ce n'est pas possible. La proportionnalité entre la consécration, la sanctification et la manifestation de la gloire de Dieu est respectée. C'est une loi spirituelle. Tu te sanctifies beaucoup, tu nageras aussi dans la gloire abondante. Tu te sanctifies un peu, tu auras aussi selon les entrées de ta sanctification. C'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Maintenant, pendant que tu es ivrogne, tu bois, tu vas dans les boîtes de nuit, la grâce de Dieu se manifeste quand même un peu dans ta vie, dans ton ministère. Mais il y a une dimension où tu vas dire, Seigneur, je vais aller là-bas. Et Dieu te dira, abandonne la boîte de nuit, abandonne la boisson. Là, c'est obligatoire. Si tu vas arriver là-bas, tu dois abandonner ça. Et si tu n'abandonnes pas, c'est pour ça que j'ai dit que ton niveau de sanctification pour toi, qui incluait quand même un peu de boisson, de temps en temps des visites inopinées dans les boîtes de nuit, demain, à cause de tel niveau que tu aspires, ça devient péché. Dieu te montre qu'en fait, les boîtes de nuit là, c'est un problème. La boisson là, c'est un problème. Tel niveau là, les ivrognes ne peuvent pas entrer dans cette dimension. Ceux qui vont dans les boîtes de nuit ne peuvent pas entrer dans cette dimension. Donc, tu dois abandonner ces choses. Parce que plus tu montes avec Dieu, plus Dieu est exigeant avec toi, plus il doit te dépouiller, tu dois te dépouiller. Donc, mais vous devez savoir une chose, la consécration et la sanctification ne suffisent pas pour donner la prospérité dans le ministère. Je parle de ma sorcellerie, ça c'est ma sorcellerie que je donne, ça c'est le secret, je confesse ma sorcellerie. Ok, la sanctification et la sainteté ne peuvent pas, ne suffisent pas pour que tu aies le succès dans le ministère. C'est pour ça que certains hommes de Dieu sont frustrés. Oh Seigneur, je me sanctifie. Mais pourquoi ça ne marche pas? Seigneur, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne cherche pas les femmes. Pourquoi l'église ne grandit pas? Parce que, en fait,
La sanctification et la consécration ne sont que la base de la prospérité avec Dieu dans le ministère. C'est la fondation que tu as mise. Mais une maison, ce n'est pas que la fondation. Il faut continuer à bâtir la maison. La chose suivante dans le ministère, mon secret suivant, c'est-à-dire que la deuxième raison pour laquelle le Seigneur m'a donné des ouvertures, c'est quoi? Je vais te le partager maintenant. Le respect des lois spirituelles. Le respect des lois spirituelles ministérielles. Le ministère est basé sur des lois spirituelles. Je donne un exemple. Je vais évoquer quelques lois spirituelles. Le ministère est basé sur des lois. Donc, tu peux te sanctifier, tu peux te consacrer, mais ton ministère ne grandit pas, ne prend pas l'envol, parce que tu ne respectes pas les lois spirituelles qui régissent le ministère. Jésus dit, celui qui tuera par l'épée mourra. C'est un exemple. Par exemple, tu ne peux pas vouloir te réjouir. Ça veut dire que chercher à détruire la réputation d'un homme de Dieu qui est à côté de toi, son église est à côté de toi, parce que son église, les gens vont là-bas beaucoup plus que chez toi, et que certains de tes brebis m'en quittent pour aller dans l'église de ton frère, au lieu d'en vouloir à ton frère, saboter ton frère, dire qu'il est sorcier, commencer à prêcher, c'est la jalousie. Tout homme de Dieu qui suit son pupitre prend le nom d'un homme de Dieu pour dire aux brebis que tel est comme ça, tel est monté, cet homme-là, c'est la frustration. C'est sa frustration qu'il est en train de partager avec vous. Chaque fois que vous entendrez un homme de Dieu sur son pupitre dire, ceux qui cherchent les prophéties là, vous, parce qu'on est aussi des humains, hein? On est des humains, ton pasteur est un humain. Vous qui aimez chercher les prophéties, hein? Le ministère, c'est pas que les prophéties. Vous allez, Jésus avait dit qu'au dernier temps, il y aura de faux prophètes. Non. Son problème, ce n'est pas qu'il se soucie tellement de ton salut, ou bien que tu ne te perdes pas, ou qu'il veut tellement te préserver de la séduction du péché. Non. C'est que le gars est frustré parce qu'il ne prophétise pas. Chaque homme de Dieu que vous entendrez dire, non, vous qui aimez suivre les miracles, hein, sachez que vraiment, l'antéchrist est dehors. C'est parce qu'il n'opère pas dans le miraculeux. C'est une frustration. C'est-à-dire qu'il n'étant pas capable de faire la même chose, il veut essayer de saquer, de saboter, sabouler ou spier l'image de l'autre pour que les gens n'aillent pas, pour qu'ils gardent au moins quelques brebis. Non, c'est une mauvaise méthode. Ça, c'est enfreindre la loi de l'épée. Celui qui tuera par l'épée mourra par l'épée. Si tu essaies de détruire ton frère en le dénigrant, en le saquant, sache que quelqu'un d'autre te détruira en te saquant. C'est le ministère, c'est la loi, c'est une loi, la loi de l'épée dans le ministère. Donc, au lieu de combattre ton frère parce qu'il opère les miracles et de faire croire à ton église qu'il est démoniaque, ce n'est pas les démons qui opèrent les miracles, toi où sont dans les miracles que tu opères au nom de Jésus, où tu n'as pas de miracle. Prophétise alors. N'est-ce pas que la prophétie fait partie des 9 dons de l'esprit et que le ministère prophétique fait partie des 5 ministères? D'accord, il ne prophétise pas par Jésus. Il ne prophétise pas, c'est l'esprit des pharisiens et des scribes. Il n'arrive pas à chasser les démons. Leur église, leur synagogue était pleine de démoniaques comme ça. Jésus est venu commencer à leur alléger la tâche au lieu de lui donner même les dîmes et les offrandes, parce que vraiment il est venu délivrer les brebis et travailler à leur place. Ils veulent montrer aux gens que non, ils chassent les démons par Belzébuth. Vous chassez donc par l'esprit de Dieu. Ils ne peuvent pas. Donc, quand un homme de Dieu dit non, celui-ci c'est faux. Un faux, vraiment cet homme de Dieu est faux. Les miracles là sont faux. Opère donc les vrais miracles. Celui qui opère les miracles ne peut pas dire que celui-là opère des faux miracles. Pourquoi? Parce qu'il est dans le miraculeux. Il croit miraculeux, il nage et baigne, vague, évoque dans le miraculeux. C'est ça la réalité. Je ne peux jamais venir dire que tel prophétise par ses frères faux. Non, non. Je ne prouve pas mes œuvres. C'est ce que Jésus fait. C'est ce que l'Esprit de Dieu fait. Donc si l'Esprit de Dieu était là, tu n'aurais pas le temps de dire que ça c'est faux. Tel là est faux. Les miracles là, ce n'est pas de Dieu. Non. Ce n'est pas la réalité, bien-aimé. Donc, il faut comprendre que c'est à un certain moment, on comprend. Moi, je comprends. On est des hommes. Ça peut arriver qu'un homme de Dieu soit tellement jaloux du succès de l'autre qu'il se retrouve en train de faire des folies devant les brebis. Il se ridiculise devant sa propre église, disant que non, tel est monté, tel est descendu. Ce n'est pas ça l'évangile. Tu dois plutôt venir guérir les malades. Guéris tes malades. Sois un bon berger. Prophétise. Donne-le la parole de l'Éternel. Puisqu'un homme de Dieu doit causer avec Dieu, Dieu doit lui parler. Il faut que tu viennes faire. Et tes brebis verront le vrai. Elles n'auront pas besoin que tu le parles contre quelqu'un. Elles me diront que notre berger est plein, il est rempli. Quand nous voyons, voici comment Dieu opère avec lui. Ce sont tes brebis elles-mêmes qui vont témoigner de l'œuvre de Dieu dans ton assemblée. Tu n'as pas besoin d'effrayer les gens. D'ailleurs, que vous le faites même, c'est la publicité que vous faites. Et les gens viennent et la main de Dieu va agir. Donc, le ministère, c'est des lois. Par exemple, je ne peux jamais accepter, admettre dans notre ministère un enfant qui a été rebelle à son père. Si tu viens chez moi, et tu es un homme de Dieu, tu veux travailler avec nous, tu veux être parmi mes fils, et que tu as un père que je connais, et que tu as commis le désordre là-bas, je ne peux pas t'accueillir.
Parce que celui qui ne respecte pas son père, ce n'est pas son oncle qui respectera. Je te renverrai vers ton père. Mais il y a des hommes de Dieu, lorsque des enfants rebelles viennent dans leur ministère, ils les accueillent et leur donnent des postes de responsabilité. Parce qu'ils pensent faire mal à l'homme pour montrer qu'eux aussi ils ont une certaine prééminence. C'est-à-dire que tu n'as pas respecté une loi du ministère. La loi de la paternité. Lorsqu'un fils vient en maudissant son père, renvoie-le vers son père. Qu'il a demandé pardon à son père. Et que son père, s'il veut, t'écrive ou t'appelle pour te dire que « Ok, mon fils, si j'ai pardonné, je te le recommande, reste avec lui. » Tant qu'on ne fait pas ça, je ne peux pas accepter. Lorsque tu es sous la paternité de quelqu'un, tu viens et que tu veux travailler, tu es dans mon entourage, tu ne peux pas, je ne peux pas accepter cela. C'est une loi. Je ne peux pas admettre les rebelles dans ma maison parce que celui qui a été rebelle dans la maison de son père sera rebelle dans la maison de l'oncle. Ça, c'est clair. C'est une sémence qui est en lui. Il faut qu'il retourne demander pardon d'abord. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu ne comprennent pas ces choses-là. Je ne peux pas accepter quelqu'un qui vient insulter un homme de Dieu devant moi. Tu ne peux pas. Non, non, tu ne peux pas. Je veux te remettre à ta place. Or, il y a certains hommes de Dieu qui cherchent plutôt nos ennemis, les ennemis de leurs frères, etc., pour les calomnier parce qu'eux-mêmes sont dans le bain de la calomnie. Donc, le ministère est basé sur des lois. Il faut respecter les lois du ministère. Si vous ne respectez pas les lois du ministère, vous ne pouvez pas avancer. Il y a tellement de lois dans le ministère qu'il faut que tu respectes. Quand tu te sanctifies, tu te consacres, il faut bien respecter les lois du ministère. Tu ne bâtis pas ton ministère sur le sang d'un autre homme de Dieu. Par exemple, tu ne dois pas bâtir ton ministère sur le sang d'un autre homme de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui sont convaincus que si tel ne tombe pas, je ne serai pas visible. Qui t'a dit ça? C'est Dieu qui élève. La Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient, mais l'élévation vient de l'Éternel. C'est Dieu qui élève, bien-aimé. Il peut avoir des milliers, des milliards d'hommes de Dieu. Si Dieu t'a appelé, il te donnera aussi ta petite place. Où tu vas aussi faire son œuvre. Où tu auras ta visibilité. C'est Dieu qui élève. Chacun original, chacun unique. Personne ne peut remplacer personne. Personne ne peut faire ce que l'autre fait. Il y a plutôt la complémentarité. C'est la complémentarité dans l'irremplaçabilité. Il faut que les gens comprennent ce phénomène de complémentarité dans l'irremplaçabilité. Et ça fera en sorte que les hommes de Dieu puissent être paisibles dans notre nation. Bien-aimés, je vous dis la vérité. Voilà ma sorcellerie. Hein. Ma sorcellerie, c'est ça. Donc la première chose, c'est la consécration et la sanctification. C'est important de se battre. Ok. Donc, désolé. Donc, bien-aimés, nous devons comprendre. Nous devons être sérieux. Sérieux dans l'engagement de servir Jésus. Sois sérieux. Chaque homme de Dieu que Dieu appelle, Dieu lui donne des recommandations précises qu'il faut qu'il respecte. Quand tu respectes les recommandations de Dieu pour ta vie et ton ministère, le Seigneur t'ouvrira les portes. La grâce de Dieu sera avec toi. Lorsque tu évites de faire certaines choses, d'entrer dans certaines malversations. Moi, j'ai causé avec des hommes de Dieu qui m'ont carrément dit que vraiment, moi, je suis un receleur. Moi, je travaille avec des braqueurs, vraiment, ils viennent, ils vendent des choses. Et c'est pour cela que je ne m'immisce pas dans les affaires des gens. Je n'entre pas dans les gens, je n'aime pas me mêler, je n'aime pas me mélanger, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de saleté autour de nous, il y a tellement de saleté. Donc tu dois te battre pour être différent, tu dois te battre pour être propre, le plus propre possible devant le Seigneur. Donc bien aimé, que Dieu te bénisse. À tous mes partenaires, tous les partenaires qui devaient assister à la conférence des partenaires, bien aimé, j'ai appelé, j'ai reçu la liste de Maman Mireille et samedi comme j'ai prévu, j'ai appelé la liste qu'elle m'a remise, j'ai appelé. Dans les 20 personnes qui étaient sur la liste, je les ai appelées. Et il y en a que j'ai appelées, il y a deux personnes que j'ai appelées. Leur numéro n'était pas sur WhatsApp. Ils ne sont pas enregistrés sur WhatsApp. Donc, ça ne pouvait pas, ce n'était pas possible. Et puis, il y en a peut-être quatre que j'ai appelées. Certains étaient occupés, étaient au travail. Ils m'ont dit qu'ils sont au travail. D'autres n'ont pas pris le téléphone. Et d'autres ont pris. Ils m'ont dit qu'après, bon, on n'a pas eu l'occasion de rappeler. Donc, ceux-là, samedi prochain, je vais les appeler. Ceux qui se sont enregistrés, c'est Maman Mireille Rose, Mousseni Otam. Je vais rappeler samedi. Ceux qui se sont enregistrés, c'est Maman Moukoko. Je pense que je vais encore travailler avec elle parce que je n'ai pas encore reçu la liste de Maman Moukoko. Voilà, donc je passe la liste. J'attends qu'elle me donne la liste complète de tous ceux qui sont enregistrés chez elle avec le nom de téléphone. Donc je n'ai pas encore ça. Et à partir de ce moment, samedi prochain, nous allons vous rappeler. Donc, soyez patients. Merci pour votre grande compréhension. Samedi, je vous rappellerai à partir de midi. Midi, notez ça dans votre agenda. À partir de midi, vous allez recevoir mon appel. Que Dieu te bénisse. La ville de Douala est bénie. Le premier, le Dieu nous ouvrira les portes du mois de septembre à Douala. La gloire de Dieu se manifestera puissamment. Ne manque pas ce mercredi et ce jeudi à Douala. Je suis dans la ville de Douala.
ce mercredi et jeudi, tous les soirs à 16h, dans la ville de Douala, en Dorbon, derrière l'immeuble Kamler, ici en Dorbon, à Douala. S'il te plaît, ne manque pas. Dieu va manifester une grande grâce dans ta vie. Le festival de miracles, nous inaugurons le mois de septembre à Douala. Et ce dimanche, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Douala, nous aurons le culte de consécration des élèves à l'Éternel. Je veux prier que la sagesse que Dieu m'a donnée repose sur vos enfants pour l'année scolaire qui est en train de venir. Et à Bertois, ça sera la même chose. Et dans toutes nos églises, c'est le culte spécial rentrée scolaire. Donc, le culte de la rentrée scolaire, spécial rentrée scolaire, ce dimanche, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Soyez très nombreux, mobilisons-nous pour servir le Seigneur. La ville de Douala, quel que soit le quartier où tu me vois, les villes environnantes, s'il te plaît, viens recevoir la bénédiction du mois de septembre. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom, shalom.